Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bonne fête de l'unité nationale. Je suis tombé sur une petite vidéo que j'aimerais partager avec vous. Vous savez, nous les jeunes mariés, quand on entend ce genre d'histoire, vraiment, ça fait vraiment rire. J'ai dit, je ne garde pas ça pour moi seul. Je partage à mes projecteurs. Suivez bien la vidéo et on se prend après, comme d'habitude, pour notre petit commentaire. Ok. Tout de suite, par vous présenter Marjorie Méledier. Bonsoir, vous Marjorie. Bonsoir. Comment allez-vous, Marjorie? Très bien. Marjorie Méledier, vous êtes mariée, mère de plusieurs enfants, décoratrice de profession, vivant à Ndokpassi, dans l'arrondissement de la 3e. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Ce soir sur le plateau. Et vous nous suivez depuis le début de ce programme, vous étiez assise juste à côté. Ouais. Et vous aussi, Marjorie, comme beaucoup de femmes, comme Sandra qui était là tout à l'heure, vous avez été traumatisée par votre rivale. Traumatisée, vraiment. J'ai été traumatisée parce que je n'avais pas mis, au départ de ma vie amoureuse, je ne savais pas que ces choses-là pouvaient exister. Mmh. Je ne savais pas l'audace des filles d'aujourd'hui. Bon. Mmh. Donc du coup, c'est ça qui m'a fait prendre un coup très sérieux dans ma vie. Bon, j'ai eu des nerfs et tout ça. Je n'ai pas pu supporter. Mmh. Qu'est-ce qu'elle faisait qui vous faisait autant mal? Elle était d'un courage. Je sais pas quoi dire. Oui, c'était quelques exemples, par exemple. Il y avait des fois où elle m'appelait à 5h du matin, elle m'insulte, grosse vache, lève-toi, tu peux faire du sport. Parfois, je me rappelle, la toute première fois elle m'avait appelée, elle me dit, je suis avec ton mari. Il était quelle heure? Il était dans les environs de 19h, 20h. Je suis avec ton mari. J'étais à la maison tout tremblante. J'ai dit, qui m'appelle? Waouh! Je relance l'appel. Et je l'ai su en train de discuter. Elle décroche et elle me fait suivre leur conversation. Ce jour-là, c'était le début des nerfs. J'ai fait deux semaines sans dormir. Deux semaines sans fermer mes paupières. Deux semaines. Pourquoi? Parce que vous avez dit des paroles choquantes, en fait. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle connaissait ma vie mieux que moi. Elle connaissait ce que je vivais dans mon foyer, elle me connaissait entièrement. Quoi, elle vous a dit quoi? Elle m'a insultée, elle m'a traitée de femme stérile. Si je veux parler, je ne peux pas parler devant les femmes parce que je n'ai pas de champignons, machin. Ton mari, je gère ton mari, toi tu gères l'acte de mariage. C'est comme ça, tu manges de papier et moi je gère ton homme. Elle vous a traité de femme stérile? Elle m'a traité de femme stérile. Comment elle peut avoir ce genre d'information? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'elle a fait les enfants avec ton mari, Marjorie? À mes nouvelles, non, je ne sais pas. Oui. Je ne pense pas. Et ce qui me traumatisait encore pour une deuxième fois, c'est que l'homme niait. Ça dit même quand il rentre le soir, il nie. C'est-à-dire, il te met à un état d'esprit que c'est comme si c'est toi qui délirais. Oui. Donc, ça me faisait très, très mal. Mm. J'avais deux jeux. Elle dit, je ne savais plus. Mm. Donc, elle vous laissait croire, en fait. Elle vous prouvait qu'elle était avec votre mari. Oui, elle me prouvait. Il y avait des fois où il allait là-bas, elle se couchait. Elle prend la chaussure de l'homme. Elle met ses chaussettes. Elle dresse son habit sur le lit pendant que lui, il a le dos tenu. Il ne sait même pas. Et quand je lui montre cette photo, il dit, ah non, c'est des choses montées, machin. Qu'est-ce qui te fait croire, moi? Mais il faut avouer aussi une chose, c'est que au début, après ce genre de signes, j'avais aussi des cadeaux. C'est-à-dire ma première cuisinière quand même, dès que j'ai eu un problème avec l'autre cuisinière, le problème là a surgi. Peut-être j'ai fait une semaine, il a acheté une nouvelle cuisinière. Un jour, il m'a encore copieusement insulté. Quand il est rentré, il a senti que j'étais dans mes états. Il m'a offert encore un micro-ondes. Donc, à un moment donné, je me suis provoque-moi, ça va me donner aussi les cadeaux. Mais après. Ah bon? Malgré après, que vous étiez dans un état dépressif. Oui. Après, j'ai pris un sérieux coup. Un très, très sérieux coup. Quand il a eu du plaisir à rester chez elle. Ça veut dire qu'il faisait des deux jours, il ne rentrait pas, il ne se gênait pas, de savoir comment est sa famille qu'il a laissée, rien. Il y a eu des fois où ils se sont disputés, vous avez raconté tout à l'heure, mais eux, ils n'étaient pas là. Racontez-nous un petit peu. Il y a parfois, ils se discutaient. Et un jour, apparemment, le ciel a eu les nerfs. Un jour, on s'est retrouvé dans un hôpital où moi, j'étais assise en face. Et moi, je ne la connaissais pas. Mais elle me connaissait. Moi, je ne la connaissais pas. J'étais assise en face. Et mon esprit me disait, voilà,
ta rivale. D'accord. Et du coup, de peur de m'humilier, j'avais même le téléphone, j'avais son numéro, je voulais composer pour que ça sonne pour voir, mais j'avais peur. Ma grande surprise est que dès qu'on me reçoit, je veux sortir de l'hôpital, je vois mon mari entrer. Mm-hmm. Et pourtant, je me suis levée, parce que dans l'hôpital, il fallait aller très tôt pour avoir la place. Mm-hmm. Je me suis levée très tôt, lui, il était couché, je l'avais laissé à la maison. D'accord. Là, quand je le croise, il ouvre les grands yeux. Tu fais quoi ici? Je dis non, je suis venue voir le médecin. Je lui demande, et tu fais quoi là? Il me dit non, je viens prendre rendez-vous pour un ami qui a les nerfs et tout. Ah, quand je me suis retournée, je l'ai vu entrer à l'hôpital, j'ai secoué. Vous avez confirmé, en fait, vous avez eu la confirmation. Mais, oui. Marjorie, ça c'est un off, vous avez raconté quand même, il y avait une dispute avec votre mari, il y a eu des motos et tout. Vous pouvez raconter? Oui. Vous bien partager il cette histoire avec ceux qui nous regardent, avant qu'on donne la parole aux autres panélistes, s'il vous plaît. Il a eu une bagarre avec elle, d'accord, au point où elle a déchiré son vêtement, et à l'époque il avait une moto, mm-hmm. Elle a confisqué les clés de la moto. Et lui aussi, il a confisqué son téléphone. Il est rentré dans notre domicile avec le téléphone de la fille. Ah bon? Et c'est resté au chevet de mon lit pendant 2 jours. C'est la fille qui m'appelle. Attendez, donc vous voyez le téléphone? Je ne savais pas à qui ça appartenait. Ah, d'accord. Mais c'est elle qui m'appelle 2 jours après pour me dire, ton homme a mon téléphone. Et voilà, quand tu vas entrer dans le répertoire de mon téléphone pour prouver que c'est vraiment moi, tu vas voir mon nom, ton nom, tes 2 numéros, femme telle. Et tu vas voir les amis qui viennent, et c'était vrai, ces amis venaient manger chez moi constamment, les noms que j'ai trouvés là. Et je me suis vraiment retrouvée, ça dit, humiliée. Vous êtes trahi en fait. Trahi par ces amis. Ouais. Et j'ai fait une note. Enfin, j'ai envoyé un message à un de ses amis, je me suis permise, parce que c'était l'excès de colère. Mmh. Vous savez quoi? Quand il est rentré le soir, apparemment son ami lui a aussi fait passer le message. Il m'a fait écrire une nouvelle lettre pour demander les excuses à son ami. Wow. J'avais écrit parce que j'étais en colère. Je dis, mais donc mon poison vient de toi. Donc tu venais ici là chercher mon mari pour aller lui laisser chez une autre femme. Moi, je ne savais pas. Et tout ça. Wow. Lui, il m'a appelé, son ami m'a appelé pour je vais te taper et tout ça. Lui, il m'a obligé d'écrire la lettre. Demander les excuses à son ami. Demander les excuses. Il a confisqué le téléphone de la dame, mais elle a confisqué quoi? Les clés de sa moto. Et elle vous a dit? Alors. Vous a dit qu'elle avait les clés de sa moto. Oui, elle a dit. Pause publicitaire. Mendes Center, la plus grande entreprise piscicole au Cameroun, lance une grande campagne de formation en pisciculture. Donc désormais, restez chez vous et formez-vous en pisciculture. La formation est seulement en ligne, allant du 25 au 27, donc 25, 26, 27. 3 jours de formation en ligne à 10 000 francs seulement. Grâce à l'entreprise Mendel Center. Donc désormais, restez chez vous, formez-vous et élevez vos poissons à 10 000 francs seulement. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok. Les amis, j'assume des passages de commenter, pardon. Vous avez compris quoi? Les menguistes là, pardon, c'est comme ça quand j'ai les goûts à meng. Pardon, laissez-moi un peu en commentaire. Les gars sont quand même faux ici d'ailleurs. Ouais. Mince. Ce que je retiens quand même, c'est que quand tu jongles un peu, rentre avec les cadeaux. Bon, c'est une blague. Bon, vous avez compris quoi? Laissez-moi en commentaire, les amis. J'attends. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.